Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Juste quatre jours avant la quatrième élection présidentielle américaine de novembre 2004, une nouvelle cassette publiée a fait surface dans les actualités, secouant une course déjà tendue entre George W. Bush et John Kerry. L'élection a été fortement influencée par les décisions de politique étrangère prises après les attaques du 11 septembre, les positions des deux candidats sur la sécurité nationale étant sous un examen minutieux. In our determination to destroy, capture, kill Osama bin Laden. La cassette, publiée par Al Jazeera, montrait un Osama bin Laden rétabli, revendiquant la responsabilité des attaques du 11 septembre de manière plus directe que jamais auparavant. La mise en scène de l'enregistrement dans laquelle Ben Laden tentait de se présenter comme un leader légitime, s'adressant à la nation qui l'avait attaqué, était un rappel glaçant que l'homme le plus recherché de la planète devait se sentir en sécurité, où qu'il se cache. Simultanément, au siège de la CIA en Virginie, l'unité spéciale chargée de retrouver Ben Laden se débattait avec la frustration, car presque toutes les pistes étaient devenues froides. Cette situation était particulièrement exaspérante, étant donné que, seulement trois ans plus tôt, ils avaient cru être prêts de le capturer. À la fin de l'invasion américaine de l'Afghanistan en 2001, les combattants d'Al-Qaïda s'étaient retirés dans l'est du pays, où ils s'étaient fortifiés dans les grottes de Tora Bora. Les agences de renseignement américaines soupçonnaient que Ben Laden était parmi eux. Soutenus par les États-Unis, les tribus afghanes locales ont combattu à travers le terrain accidenté, avec des frappes aériennes massives aidant leur avance. Cependant, au moment où la bataille s'est terminée, Ben Laden s'était déjà échappé. Seules environ 20 personnes ont été arrêtées après les combats, laissant la CIA les mains vides et manquant ce qui aurait pu être une occasion cruciale de capturer le leader d'Al-Qaïda. L'échec de la capture de Ben Laden à Tora Bora n'était pas seulement une erreur tactique, mais aussi un coup dur pour la crédibilité des États-Unis. Les grottes de Tora Bora avaient été lourdement fortifiées au fil des ans, conçues pour résister à la fois aux attaques soviétiques et américaines. Ce n'étaient pas de simples cachettes de fortune. C'était des réseaux complexes, avec des stocks de provisions, capables de soutenir les combattants pendant de longues périodes. Le terrain accidenté, combiné au retrait stratégique des combattants d'Al-Qaïda, a rendu la bataille difficile pour les forces américaines, qui dépendaient fortement des milices locales afghanes, dont les loyautés étaient souvent partagées. La décision de ne pas engager davantage de troupes américaines au sol a été critiquée plus tard, car elle a permis à Ben Laden et à d'autres figures clés de s'échapper vers les régions tribales du Pakistan, où il continuerait à échapper à la capture pendant près d'une décennie. Pourtant, l'un de ceux qui ont été arrêtés lors des opérations de Tora Bora fournirait finalement une piste précieuse. Mohamed Al-Qahtani était initialement inconnu des enquêteurs et niait tout lien avec Al-Qaïda, affirmant qu'il était en Afghanistan pour la fauconnerie. Cependant, lorsque ses empreintes digitales ont été vérifiées, elles ont correspondu à des enregistrements dans le système américain. Les enquêteurs ont découvert que quelques semaines seulement avant les attaques du 11 septembre, Qahtani avait tenté d'entrer aux États-Unis. Son comportement suspect, transportant 2 800 $ en espèces et voyageant avec un billet aller simple, avait incité un agent des douanes à lui refuser l'entrée, soupçonnant qu'il pourrait tenter d'immigrer illégalement. Ce refus serait plus tard considéré comme une occasion manquée de prévenir ce qui allait arriver. Les enquêteurs ont rapidement découvert une autre pièce cruciale de preuve. Le même jour où Mohamed Al-Qahtani se trouvait à l'aéroport international d'Orlando. Un appel a été passé depuis l'aéroport à un numéro de téléphone d'Al-Qaïda aux Émirats Arabes Unis, un numéro qui avait été placé sous surveillance. Le moment de la présence de Qahtani à l'aéroport et la réalisation de cet appel ont déclenché une réponse urgente des enquêteurs, qui se sont précipités pour relier ces événements. Les agents du FBI ont minutieusement examiné des heures de séquences de surveillance de l'aéroport, espérant découvrir de nouvelles
piste. Leur persévérance a payé lorsque qu'ils ont identifié une voiture qui avait été louée par Mohamed Atta, le chef des attaques du 11 septembre, qui avait piloté le vol American Airlines 11 dans la tour nord du World Trade Center. Cette découverte critique a conduit les enquêteurs à conclure qu'Atta était à l'aéroport pour récupérer Katani. On pense largement que Katani était censé être le 20e pirate de l'air, destiné à embarquer sur le vol 93 de United Airlines, le vol qui s'est finalement écrasé en Pennsylvanie lorsque des passagers ont courageusement tenté de reprendre le contrôle des pirates de l'air. Avec ces nouvelles informations, Katani a été soumis à un interrogatoire intense. Sa coopération, ainsi que celle d'autres captifs d'Al-Qaïda au cours des mois et des années suivants, a fourni aux enquêteurs des informations inestimables sur le fonctionnement interne de l'organisation terroriste. Par exemple, en mars 2002, Abu Zubaida, un coordinateur logistique clé pour Al-Qaïda, a été capturé et a révélé à la CIA que Khalid Sheikh Mohammed, le commandant opérationnel du groupe, avait orchestré les attaques du 11 septembre. La capture et l'interrogatoire de figures clés d'Al-Qaïda, comme Zubaida et Khalid Sheikh Mohammed, ont été des moments décisifs dans la guerre contre le terrorisme. Ces figures n'étaient pas de simples soldats. Ils étaient des architectes de la terreur, profondément impliqués dans la planification et l'exécution d'opérations qui ont tué des milliers de personnes. Les renseignements recueillis lors de ces interrogatoires ont aidé à démêler le réseau complexe d'Al-Qaïda. Mais ils ont également mis en évidence la résilience de l'organisation et sa capacité à s'adapter à une surveillance intense. Malgré ces avancées, la CIA restait dans l'ignorance de l'emplacement exact de Ben Laden. Ils ont commencé à cartographier les relations au sein d'Al-Qaïda, en essayant d'identifier qui avait un contact direct avec Ben Laden et comment il communiquait depuis sa cachette secrète. Ils ont également examiné son réseau privé, y compris les membres de sa famille, qui pouvaient être localisés, mais n'ont trouvé aucune communication directe entre eux et Ben Laden. Un an plus tard, Khalid Sheikh Mohammed lui-même a été appréhendé. Lors de son interrogatoire, Katani a révélé qu'en juillet 2001, en préparation des attaques, il avait été présenté par Khalid Sheikh Mohammed à Abu Ahmed Al-Kuwaiti, une figure jusque-là inconnue de la CIA. Al-Kuwaiti était chargé de former Katani à la sécurité opérationnelle. Ces révélations ont aidé la CIA à mieux comprendre la structure d'Al-Qaïda, qui comprenait une hiérarchie de commandement et des couches de planification, des opérateurs moins formés et Oussama Ben Laden au sommet en tant que leader. Malgré ces avancées, la CIA restait dans l'ignorance de l'emplacement exact de Ben Laden. Ils ont commencé à cartographier les relations au sein d'Al-Qaïda en essayant d'identifier qui avait un contact direct avec Ben Laden et comment il communiquait depuis sa cachette secrète. Ils ont également examiné son réseau privé, y compris les membres de sa famille, qui pouvaient être localisés, mais n'ont trouvé aucune communication directe entre eux et Ben Laden. Cependant, il était connu que Ben Laden continuait d'envoyer des messages. Au fil des ans, de nouvelles cassettes audio ont fait surface, confirmant qu'il était toujours en contact avec les dirigeants d'Al-Qaïda. Comprenant que Ben Laden comptait sur des coursiers pour transmettre des informations, la CIA a modifié sa stratégie pour se concentrer sur l'identification et la traque de ses coursiers. L'objectif était d'utiliser le réseau de coursiers comme moyen de suivre les mouvements de Ben Laden et de localiser finalement sa cachette. Cela deviendrait une partie cruciale de l'effort pour traduire en justice l'homme le plus recherché au monde. À la mi-janvier 2004, les forces de sécurité kurdes ont arrêté un homme nommé Hassan Gül, qui portait une lettre adressée à Oussama Ben Laden. Gül a été remis aux autorités américaines et lors de son interrogatoire, il a fourni des informations cruciales qui ont changé l'orientation de l'enquête. Gül a révélé qu'une figure clé, déjà sur le radar de la CIA, pourrait être essentielle pour localiser Ben Laden, Abu Ahmed Al-Kuwaiti, que Gül a identifié comme le coursier personnel de Ben Laden. Alors que l'enquête se concentrait sur Kuwaiti, des informations contradictoires sur son rôle au sein d'Al-Qaïda ont commencé à émerger. Hassan Gül a décrit Kuwaiti comme un acteur majeur,
quelqu'un qui était bien connu à la fois de Khalid Sheikh Mohammed et de son successeur, Abu Faraj al-Libi. Cependant, lorsque Khalid Sheikh Mohammed a été interrogé, il a minimisé l'importance de Kuwaiti, affirmant qu'il s'était retiré depuis longtemps et n'était plus actif dans l'organisation. De même, lorsqu'Abu Faraj al-Libi a été arrêté au Pakistan en mai 2005, il a également nié que Kuwaiti ait joué un rôle majeur. La confusion s'est encore accrue lorsque les enquêteurs ont interrogé Hanbali, l'ancien leader de la filiale d'Al-Qaïda en Asie du Sud-Est. Hanbali a confirmé que Kuwaiti était effectivement impliqué, gérant une maison sûre à Karachi à l'époque où les talibans fuyaient l'Afghanistan. Les témoignages contradictoires n'ont fait qu'accroître l'intérêt de la CIA pour Kuwaiti, mais le problème est resté. On en savait très peu sur lui. Même le nom Kuwaiti n'était pas son vrai nom, mais un alias, signifiant « le père d'Ahmed du Koweït », ce qui rendait son identification encore plus difficile. Bien que des informations importantes aient été obtenues lors des interrogatoires de prisonniers, les méthodes utilisées pour extraire ces informations était très controversé. De nombreux prisonniers ont été soumis à des techniques d'interrogatoire renforcées, un euphémisme pour des traitements abusifs, y compris la torture, comme le waterboarding. Un rapport du Comité du renseignement du Sénat de 2014 a conclu plus tard que ces techniques étaient inefficaces et n'avaient pas contribué à obtenir des informations sur Ben Laden. De plus, il y avait une préoccupation plus large que les actions de la CIA, apparemment opérant en dehors de l'état de droit, pourraient finalement nuire à la sécurité nationale. Un débat qui dépasse le cadre de ce récit. Malgré les efforts intensifs, les enquêteurs se sont retrouvés à nouveau dans une impasse. Ce n'est qu'en 2007 qu'une percée s'est produite, non pas grâce au travail de la CIA, mais grâce à un service de renseignement étranger qui a fourni les informations clés. La véritable identité de Kuwaiti a été révélée, Ibrahim Saïd Ahmed, un Pakistanais dont la famille s'était installée au Koweït. Bien qu'il ait fallu 2 ans pour découvrir son nom, il faudrait encore plusieurs années avant de pouvoir le localiser. En juin 2010, un développement critique s'est produit lorsque Kuwaiti et son frère ont modifié leur manière de communiquer via leur téléphone portable. Ce changement a permis à la NSA de géolocaliser les appels. La NSA avait reçu des numéros de téléphone liés à Kuwaiti d'un troisième pays et a commencé à intercepter les communications. Parmi les conversations surveillées, un individu s'est démarqué, correspondant au profil de Kuwaiti. Il parlait un mélange d'arabe et de pachtoun, la langue du nord-ouest du Pakistan. Et lorsqu'un ami du golfe Persique lui a demandé où il se trouvait, il a répondu de manière cryptique qu'il était avec les gens avec qui il était avant. Cet individu prenait également des précautions extraordinaires pour éviter d'être suivi, gardant son téléphone éteint la plupart du temps et n'insérant la batterie que lorsqu'il se trouvait près de Peshawar. À mesure qu'il devenait de plus en plus probable qu'il s'agissait de Kuwaiti, la CIA a intensifié ses efforts pour le suivre sur le terrain. En août 2010, un agent de la CIA au Pakistan a réussi à identifier Kuwaiti dans sa voiture à Peshawar. Il a ensuite été discrètement suivi jusqu'à son domicile, où les enquêteurs ont été stupéfaits par ce qu'ils ont découvert. Un grand complexe fortifié. Cette découverte s'avérerait être une pièce maîtresse du puzzle dans la chasse à Oussama Ben Laden. Les agents avaient initialement supposé qu'une fois Kuwaiti identifié, leur tâche serait de le surveiller, jusqu'à ce qu'il les mène finalement à la cachette de Ben Laden. Cependant, lorsqu'ils ont observé l'énorme complexe où Kuwaiti vivait, une nouvelle théorie a émergé. Il pourrait déjà être à la cachette. La possibilité que Kuwaiti vive sous le même toit que Ben Laden est devenue de plus en plus plausible. Malgré certaines incertitudes à Washington, il est devenu clair que Ben Laden avait probablement été localisé, marquant la dernière étape d'une chasse à l'homme qui avait été une priorité absolue depuis les attaques du 11 septembre. La responsabilité est maintenant passée des agents de renseignement à une équipe d'opérations spéciales qui disposait d'informations limitées sur ce qu'ils pourraient rencontrer lors du raid. Le 1er mai 2011 à 11h du soir, heure locale, 2 hélicoptères Black Hawk, équipés de technologies furtives avancées, ont décollé de la base aérienne de Jalalabad,
se dirigeant vers le complexe de Ben Laden à Abbottabad, au Pakistan. La mission était truffée de complications, en particulier parce que les États-Unis avaient décidé de ne pas informer le gouvernement pakistanais de l'opération. Cette décision obligeait les Navy SEALs à voler sous les radars, tant au sens littéral que figuré, pour éviter d'être détectés par les forces pakistanaises. Un exploit difficile, surtout compte tenu du fait que le complexe de Ben Laden était situé juste à côté d'une académie militaire pakistanaise. L'histoire de la façon dont ce raid s'est déroulé est tout simplement remarquable. Les SEALs s'étaient entraînés méthodiquement pour ce moment, et maintenant ils exécutaient enfin l'opération qui mettrait fin à l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire. À leur arrivée, l'un des hélicoptères a rencontré des problèmes mécaniques et a dû effectuer un atterrissage contrôlé dans le complexe. Malgré ce contretemps inattendu, les SEALs se sont rapidement adaptés à la situation et ont poursuivi le raid. Au cours des 40 minutes suivantes, l'équipe des SEALs a méthodiquement nettoyé le complexe, rencontrant et neutralisant toute résistance alors qu'ils avançaient dans le bâtiment. Au troisième étage du bâtiment principal, ils ont trouvé et tué Oussama Ben Laden. Son corps a été rapidement sécurisé et les SEALs ont récupéré des matériaux de renseignement précieux dans le complexe avant de se préparer à exfiltrer. L'équipe a ensuite procédé à détruire le Black Hawk endommagé pour empêcher que sa technologie avancée ne tombe entre de mauvaises mains. Ils ont achevé leur mission et les SEALs restants ainsi que leurs matériaux capturés ont été extraits par l'hélicoptère de secours. L'opération, connue sous le nom d'Opération Neptune Spear, a été un succès historique, mettant fin à une poursuite de près d'une décennie du cerveau des attaques du 11 septembre. La mort d'Oussama Ben Laden a marqué un moment significatif dans la lutte mondiale contre le terrorisme, et l'histoire de ce raid reste un témoignage de la dévouement, de la précision et du courage des forces d'opérations spéciales qui l'ont mené à bien. Cependant, l'impact de la mort de Ben Laden s'est fait sentir bien au-delà de l'immédiat après-coup. Aux États-Unis, l'annonce de sa mort a suscité un élan de fierté nationale, avec des célébrations spontanées éclatant dans les villes à travers le pays. Le président Barack Obama, qui avait autorisé la mission, a vu une augmentation temporaire de sa cote d'approbation, beaucoup voyant l'opération réussie comme un moment décisif de sa présidence. À l'international, les réactions ont été mitigées. Si de nombreux pays ont exprimé leur soutien à l'opération, certains, notamment dans le monde musulman, ont considéré la mort de Ben Laden comme un martyr qui pourrait inspirer davantage d'extrémisme. Au Pakistan, le raid a suscité une indignation et une crise diplomatique, le gouvernement faisant face à de vives critiques pour avoir soit été complice de la cachette de Ben Laden, soit pour son incapacité à détecter une opération militaire américaine sur son sol. L'armée pakistanaise, déjà sous pression, s'est retrouvée dans une position difficile, le raid ayant exposé les vulnérabilités de ses systèmes de défense aérienne. Les renseignements recueillis dans le complexe de Ben Laden ont fourni des informations précieuses sur les opérations et les plans futurs d'Al-Qaïda. Les analystes ont passé des mois à trier les matériaux, qui comprenaient des disques durs, des documents et des correspondances personnelles. Ces découvertes ont conduit à la perturbation de plusieurs attaques prévues et ont offert une image plus claire de la structure du réseau terroriste après Ben Laden. Cependant, la mort d'Oussama Ben Laden n'a pas marqué la fin d'Al-Qaïda. L'organisation, bien que affaiblie, s'est adaptée à la perte de son leader en décentralisant 16 opérations avec des filiales régionales gagnant plus d'autonomie. Dans les années qui ont suivi, des groupes comme Al-Qaïda dans la péninsule arabique, AQPA, et Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, ont continué à mener des attaques et à diffuser leur idéologie. La montée de l'État islamique, ISIS, a également déplacé l'attention des efforts mondiaux de lutte contre le terrorisme, cette nouvelle et brutale organisation commençant à éclipser Al-Qaïda dans sa notoriété. L'exécution réussie de l'opération Neptune Spear a eu des répercussions géopolitiques significatives. Pour les États-Unis, elle a réaffirmé l'engagement du pays à traquer les responsables des attaques du 11 septembre, quel que soit le temps nécessaire ou les ressources requises.
Le raid a également démontré l'efficacité des forces d'opérations spéciales américaines et les capacités des agences de renseignement américaines lorsqu'elles travaillent de concert. Pour le Pakistan, le raid sur Abbottabad a été profondément humiliant. Le fait que Ben Laden ait vécu pendant des années dans un complexe proche d'une académie militaire dans une ville de garnison a soulevé de sérieuses questions sur la compétence et l'intégrité des services militaires et de renseignement pakistanais. Les relations entre les États-Unis et le Pakistan, déjà tendues, se sont détériorées davantage après le raid. Le gouvernement pakistanais a fait face à des accusations de la part de critiques, tant nationaux qu'internationaux, qui ont remis en question si des éléments au sein de l'État pakistanais avaient protégé Ben Laden. Le raid a également influencé la politique américaine dans la région. Le succès de l'opération Neptune Spear a encouragé les partisans de la guerre par drone et des assassinats ciblés comme outil efficace dans la lutte contre le terrorisme. Cette approche a cependant également suscité des critiques pour ses implications éthiques et le potentiel de dommages collatéraux, ce qui pourrait alimenter davantage de sentiments anti-américains dans la région. La mort d'Oussama Ben Laden a été une victoire symbolique importante dans la guerre contre le terrorisme, mais elle n'a pas mis fin au terrorisme mondial. Al-Qaïda, bien que affaibli, est resté une menace, et la montée d'ISIS a posé de nouveaux défis pour la communauté internationale. La nature décentralisée des réseaux terroristes modernes les rendait plus difficiles à combattre, car des cellules locales et des acteurs solitaires pouvaient mener des attaques avec une coordination minimale depuis un commandement central. En réponse, les stratégies de lutte contre le terrorisme ont évolué pour faire face à ces nouvelles réalités. Le partage des renseignements entre les nations a augmenté et des efforts ont été faits pour lutter contre les causes profondes de l'extrémisme, telles que la pauvreté, le manque d'éducation et l'instabilité politique. Cependant, ces efforts ont souvent été compliqués par les dynamiques politiques complexes dans des régions comme le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, où diverses factions se disputaient le pouvoir et l'influence. L'héritage de la mort de Ben Laden s'est également étendu au débat plus large sur les libertés civiles et la sécurité nationale. L'utilisation de techniques d'interrogatoire renforcées, les assassinats ciblés et les programmes de surveillance de masse ont suscité des débats publics et juridiques intenses aux États-Unis et dans d'autres pays. Alors que certains affirmaient que ces mesures étaient nécessaires pour protéger la sécurité nationale, d'autres avertissaient qu'elle pourrait saper les valeurs démocratiques, même que les nations tentaient de défendre. La chasse à Oussama Ben Laden, qui s'est terminée par le raid réussi sur son complexe à Abbottabad, est une histoire de persévérance, d'intelligence et de précision militaire. C'est aussi une histoire qui met en évidence les complexités et les défis de la lutte mondiale contre le terrorisme. Si la mort de Ben Laden a marqué une étape importante, elle a également souligné la nature continue de cette lutte et la nécessité d'une vigilance et d'une coopération continue entre les nations. Alors que le monde continue de faire face à la menace du terrorisme, les leçons tirées de la chasse à Ben Laden resteront pertinentes. L'importance de renseignements fiables, la nécessité d'une collaboration internationale et les dilemmes éthiques posés par les efforts de lutte contre le terrorisme continueront de façonner les stratégies et les politiques des nations du monde entier. L'opération qui a conduit à la mort de Ben Laden a peut-être clôturé un chapitre de la guerre contre le terrorisme, mais elle en a également ouvert de nouveaux, nous rappelant que la lutte contre l'extrémisme est loin d'être terminée. La communauté mondiale doit rester engagée à s'attaquer aux causes profondes du terrorisme et à travailler ensemble pour construire un monde plus sûr et plus juste.